Ah, dès qu'on est pris avec le jus, Ça pêche, hein. ça fait tout de suite la diff. Tout de suite la différence est là. Mais bon, on n'a plus le soleil, quoi. On a la pluie. Ouais, là par contre, ouais. Ça serait bien que ça se dégage un peu. Ouais. Ah, t'es un peu plus clair là, mais. Pas souvent que. Ouf, ouais. Y'a un mammouth? Ouais, t'es remonté un peu toi? Ouais. Ah, bah, je viens de redescendre là. Ouais, j'ai vu. Hein. Ah ouais? Il y avait un Il qui... est monté dessus le Il y avait un qui t'a suivi. Je voulais te le prendre, tu vois. Il était trop petit. C'est un peu exigeant quand même. Non, c'est dit, on va au lycée. On aurait bien fait. Parce que c'était dur. Ça va aller les mouettes là? Oh, il est 4 saisons, Mika, aujourd'hui. Ouais, en un jour. Tiens. On a commencé dans la brume avec le crachin. On a eu un arc-en-ciel au milieu de la route avec les dauphins. Et là, on a une belle percée de soleil, superbe. Pour l'étale. La mer lisse. La mer toute lisse. On va s'approcher de là-bas après. Ça mord plus, Mika. Bah non, ça mord plus. On arrive à l'étale. Le courant est quasi nul. Les lignes sont à la perpendiculaire. C'est pas tout de suite, on voit la différence. Hein. Voilà, c'est fini. On est sur les mêmes postes exactement. On fait quasiment les mêmes dérives encore. Mais les poissons, pour fermer leur bouche, ils font la sieste, ils digèrent. Et ils attendent que ça reprenne dans une heure pour pouvoir remanger. Mais nous, on va aller pêcher les poissons rouges maintenant. On a fait le boulot sur les lieux, on va faire les poissons rouges. Ouais, bah là on est vraiment dans le liste. C'est l'étale. C'est un peu la pause pour les poissons. C'est un peu la pause pour nous. On vient de se faire le sandwich. Et puis là on va essayer de gratter un peu sur les cailloux, voir si on peut pas faire une petite rose ou un petit pack qui serait monté sur les cailloux. Et dès que le jus se remet en place, on se remet à fond. Oui. En espérant que ça paye. En attendant, Gwen a fait des poules. Gwen a ploupe. Des ploupes. Elle ploupe à fond, Gwen. Gwen a ploupe. Elle ploupe à fond, c'est ouf. Mais comme c'est l'étal, c'est possible qu'il monte. Des fois, ça peut pas monter, mais des fois, ça monte. En espèce, c'est bien. C'est pas cougar, c'est bien. Ça se bat pas. C'était une cougar. Fuck. Spécialiste de la cougar. Ça sent la cougar. Ouais, non. C'est mort. La coude, saloperie. Bim. Oh. Calme toi. Ouais, vas-y, tu te rouges là. Un peu plus rouge. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Une petite. Attends, parce qu'il y a un gros. Quand même. Fais une petite photo. Bon, photo monte à la caméra. Bon, oui, on regarde, elle est belle en plus. Elle est magnifique. On a pris par la joue. Pas droit. Pour la forme, j'essaie de faire une petite imitation. Possible la note de bruit. Non, même pas touché. J'arrive. Voilà. Un droit. Moins 150 mètres. Elle est bien égoutée. Il est là. Bon ça. Jouer ça, Nicolas. Je l'ai mis dans la gueule normalement.
super action de pêche. On a bien vu. Deux coups de tête. Tac, t'as bien rendu la main. Balayette, on rend la main un peu. Et quand ça tire un peu plus fort, on met plein sa gueule. Ah ouais. Une vraie touche de basse. Posez. Ah, on va le voir, notre Paglito, c'est chouette. On l'a vu. Ah, on va le voir. S'il remonte jusqu'en haut. Hein. Et là, je me fais violer encore. T'as vu comment faire, Gwen? Bon, alors c'est bon. Il a mis une plus forte. Il a tendu la plus forte. Au début, il est petite. Après, il aspire bien l'heure. Et là, tu peux y aller. C'est pas un monstre non plus, mais c'est comme un rouge. Il se calme là. Oh non. Tu crois que ça se calme, là, toi? Depuis quand? Allez, monte nous voir. Ah, les a cherchés aujourd'hui. Oh, putain, ouais. Mérité, ceux-là. Vite laisser les lieux. Ah, c'est bien calmé, c'est pas un gros. Allez, tu viens nous voir, hein, jusqu'en haut, coucou. C'est la zone critique des limettes. Ouais. Faut pas dire. Ah, elle n'a jamais fait pour... J'espère que c'est un pag. Tant au début, c'est que beau pour un pag. Ça navigue, c'est mon signe. Voilà. Alors. Oui, si, si, c'est pas. Voilà, il est là. Super, c'est un beau bébé en plus, les gars. Allez, il dégage. Oh mon dieu, il est beau. Attention. Allez, attention, véhicule. La tête, il est bien accroché. Ah, il est beau, mec. Ah, c'est du poisson, ça. Ah, c'est 6, ça. Ah, c'est 6. Tu vois que beau pack chez nous, yo. C'est une l'action de ma boule, là. Oh, magnifique. Ah, le câlin. Un gros câlin. Oh, la vache. Et voir des packs d'Armen. Ah putain, il est magnifique avec la bosse et tout. Ah, il a la bosse, il de, a la bosse de l'ancien. J'adore qu'il a quand il a la bosse. Attends, j'ai mis un petit doigt dans le truc, dans le cul, il aime pas trop. Man, le swat. C'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau le pack, j'adore. Combien alors? 67. 67 Allez, yes. C'est bon ça. C'est bon ça. Hyper. Ça paye. Il va bien. C'est pas ton leurre préféré en plus. Un swat. Un joli pag. Voilà. On va t'as. Je veux la même. Je veux le même en photo. Je veux le même en photo. Bon, on retourne en chercher un autre. Allez, j'ai mis. On retourne chercher un autre. Doucement. Tu sens une force et c'est là qu'il faut taper. Mais non, Gwen.
Ça va le faire. C'est pas surmontable, Gwen. Déjà, t'as vu qu'il y en avait, c'était possible. T'as la technique. Non. Le prochain coup, ça sera bon. Ah, il fait plaisir celui-là, quand même. C'est clair. Il fait zizi. Du coup, comment tu pêches, Mika, le pagre? Le pagre. Avec quoi et... À gratter. Ah, plutôt avec des shads, ouais. Parce que. Là, ils aiment bien la vibration, quand même, j'ai l'impression. Quand même. C'est sur les sticks, on en fait aussi, mais les slugs, ils sont trop longs. Ou alors, faudrait rajouter un hameçon chance derrière. Ici, l'avantage du swat, c'est vraiment ouais, qu'il soit derrière. C'est presque comme un hameçon chance, en fait. Hein. Sinon, l'hameçon serait là. Et là, ça a bien payé. Hein. C'est super. Mon plus gros, j'avais fait au DJ Line aussi. DJ Line avec une tête avec un hameçon assez long. Du coup, ça avait bien marché. Et j'en avais marre de me faire couper les leurres juste derrière l'hameçon. Du coup, là, le swat, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. On pêche à gratter, on envoie le leurre au fond. On laisse gratter, on va laisser gratter, vraiment gratter au fond, ça sert à rien de décoller le leurre. Sinon, il viendra pas le chercher. Lui, il mange la tête vers le bas, souvent, très souvent. Donc, il faut rester au fond. Petite touche. Rien ne sert de s'énerver trop vite sur la première touche. Il faut mieux rendre la main, attendre la grosse touche. Et quand on a la grosse touche, là, il faut ferrer. Très fort. Très, très fort pour faire rentrer. Et le combat, ça se passe comment ? Il n'y a plus qu'à s'amuser. Alors le pike, c'est un super poisson parce que ça se bat de haut en bas. Ici, on est sur 70 mètres, donc je vous laisse imaginer les coups de tête tout du long. C'est vraiment chouette. Et il faut faire attention à la surface. C'est souvent dans les 10 derniers mètres, il peut y avoir un accident. Souvent, il décompresse et puis il se décroche. Donc, restez concentré jusqu'à ce que le pike perce la surface. Sinon, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Même à la surface. Même à la surface, faire attention. Et celui-là, on a eu la chance, c'était vraiment pile poil dans la commissure. Là, j'ai même eu du mal à tirer le swat de sa gueule, donc il était bien accroché. On était bon. Bien sûr, un gros plan, Gwen. Super. Gladius. Pas de mou, putain, faut que je mette. Voilà. Allez. C'est plus lourd, tu sens, c'est plus lourd, non? C'est pas comme un lieu, c'est pas. Non, mais c'est pas énervé. Pas la même sensation qu'un lieu. C'est peut-être un peu petit, mais je pense que c'est rouge. Hein. Allez. Pourquoi il fait pas de vache? Oh, il est un peu plus petit. Mais... C'est peut-être qu'il a pas vu le bateau aussi. C'est plus petit. Hein. On monte pas un poulpe. Hop, il nous a ralenti à des rythmes, nickel, ouais, parfait. Ah, allez, jusqu'au bout. Les profondeurs encore, vas-y. C'est bien la tour. Allez. Allez, go. C'est pas comment. Oh merde, c'est un jaune. Qu'est-ce que c'est là? Ah, c'est un jaune. C'est aussi Juju. Ah, Julien, tu gagnes. Super. Oui, une belle. Une belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Là, on a un record Julien aussi pour Gwen. Pop, 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 pop. Tu mets pas tes doigts là-dedans. Oh, la grosse juge. Elle fait quoi, un mètre? Ouais, elle est pas loin d'y mettre, je pense. Pauvre. Ah, c'est pas un bon poisson, ça, Gwen. Oh, génial. Super. Bon, bah, c'est pas le rouge, mais c'est bien aussi. Hein. Oh, bah, regarde, t'as vu ce qu'elle a germé? Un plouple, entier. Regarde-le, on a pas. Bon, Gwen, c'est pas rouge, mais. Oh, c'est bah, pas ouais, c'est pas dégueu, là, ça. Elle est superbe. Wow. Pareil à la petite de tout à l'heure. Alors? Il est plus grand qu'elle! Ah bah! La gueule! Ça, c'est une Julienne, Gwen! Ah, ça, c'est une vraie de vraie! Heureuse? Oh putain, yes! Ah bah oui, elle a! Mon Gwen, deuxième record de la journée! Ah bah, je oui! Je crois que c'est un joli poisson! Il est plus grand que sa cuisse! Plus grand que sa cuisse! Jolie Julienne! Record encore? Ouais, record, ah, là, on oui. S'est battu haut la main. Au swat chad, greenfish, 100 grammes. Comment t'as pêché? À
à gratter en cherchant le pug. Et au final, c'est Julienne. C'est top ça, ouais. Bon, maintenant elle est sûre d'un pug. Je suis chaud. Là, je suis chaud. J'étais pas prête de la décrocher, je crois bien. Un piégé avec des cheveux, ça. Ça t'a enfoncé. Ouais, mais c'est enfoncé. Ah ouais, bien, c'est chiant. Tu la tiens bien, Yann, c'est comment? Je vois rien. Je suis bon. Alors 1m04. 1m04. 1m04, new record. New record, ouais. Super, Gwen, pas son maîtré en mer. Ça, c'est beau. Yes. Ça, c'est valable. Putain, génial. Génial. Mon capitaine, on est pas mal. Super, ouais, c'est beau ça. Hein. Un joli coup de ligne sur la fin de journée. Souvent, on a la Julienne qui arrive. Et là, je m'y attendais pas du tout sur ce poste-là qu'elle arrive là. Mais bon, c'est super. Elle était en train de chasser des poulpes parce qu'on l'a vu vomir un poulpe une fois à l'arrivée. Et comme on avait fait les poulpes avant, bah, ça m'étonne pas qu'elle traîne là non plus. Super coup de ligne de Gwen. Elle nous a fait ça comme une chef. Super, je suis content. C'est bien, doublé de record aujourd'hui. Ça, c'est cool. Ça, on peut pas faire mieux. On a remis le sourire à Gwen. Hier c'était la dépression, aujourd'hui un grand sourire à Dieu. C'est super, c'était le principal, c'était la mission du jour surtout. Ça va mieux, hein? Ah oui, ça va mieux. On a c'est même une femme accomplie aujourd'hui. Double record. Chip. Super. Ça c'est du boulot. T'avais dit que tu prendras la mordue à la fin. Et ben voilà. Elle a mérité là. Ton petit site d'IDVM. Sponsor la mordue. La mordue de la paix. On a fait une bonne journée, on a le droit. On n'est pas en Bretagne pour rien. On n'est pas en Bretagne pour rien. On va manger des crêpes, des galettes ce soir. On va manger des galettes ce soir avec une petite boulée. Allez. Une petite boulée de cidre. Remarque, on n'a pas eu nos huîtres de sein. Ah, on n'a pas eu les huîtres de sein, faudra qu'on se rattrape avec les crêpes. Fini. Allez Zou, toute bonne chose à une fin. On va se quitter après 3 jours de belle pêche. Super, on finit avec une journée exceptionnelle. On a eu du beau temps, une belle mer, tous les poissons. Vous verrez ça très bientôt. C'était vraiment chouette. On a commencé les premiers jours à pêcher surtout au slug parce qu'il y avait du vent. Il fallait qu'on pêche assez rapidement. C'était assez compliqué, mais on a fait du beau boulot sur les lieux jaunes. Aujourd'hui, c'était un peu plus calme. On a pu descendre les chattes. C'était super. Le SWAT nous a fait des poissons de rêve, c'était vraiment génial, on a passé un super moment sur l'eau. On a 2 records aujourd'hui, personnels pour Gwen, c'est vraiment une super journée, elle a le sourire, c'est chouette. Que dire de ces 3 jours? On a bien travaillé, on est fatigué, on a tout donné, en espérant que ça vous plaise. Voilà. Surtout un grand merci à toi Mickey pour nous avoir guidé parce que c'est grâce à toi qu'on a fait tous les poissons. Donc... J'ai fait un bon guidage, normalement c'est pas mal, on s'est bien débrouillé, c'était chouette. Ouais. Et c'était avec grand plaisir que j'ai guidé tout le monde, c'était vraiment chouette. Donner le sourire aux gens, c'est le principal, la raison principale, c'est vraiment super. C'est clair. C'est parti pour 1 heure pour maintenant. Maintenant on va prendre le retour, on a encore 1 heure de route. Et puis après, hop, route. C'est bon. Allez, ciao. Super, ciao, ciao. Au plaisir, à une prochaine.